calendrier a voulu que la présence de notre équipe nationale de football au Luxembourg pour disputer son match amical coïncide avec l'Aïd. Même loin de la famille, les membres de la délégation algérienne présente dans la capitale européenne se sont échangés les vœux dans une ambiance bon enfant. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas choisi Wadi Aïd Bednda. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a la famille qui m'a monté à l'équipe nationale. C'était une bonne fête à tous les musulmans du monde, hein, pas qu'au peuple algérien. Et voilà, on espère que ce jour sera un jour de bonheur pour tout le peuple musulman du monde et Inch'Allah nous apportera beaucoup de réussite. C'est vrai que bon, je ne suis pas avec ma famille, mais moi bon, ici c'est ma deuxième famille, donc tout se passe bien. Détendue, l'atmosphère régnante au sein de l'équipe nationale a permis aux joueurs de passer quelques moments d'euphorie, à l'image des cadres de l'équipe que sont Majid Bouguerra, Karim Ziani et autres Yebda, dans une ambiance bien de chez nous. L'Aïd Moubarak à tout le monde. L'Aïd Moubarak à toute l'Algérie. Inch'Allah, plein de belles choses après. Voilà, bonne fête à tout le monde. ربي يكون معنا ان شاء الله في هذه المناسبه السعيده تاع عيد الفطر. À la fin de cette collation, deux joueurs non concernés par le match ont été délégués par leurs camarades pour assister au rituel du sacrifice du mouton de l'Aïd pour ne pas déroger à la règle et aux traditions. Le froid qui règne ici n'a eu aucune incidence sur l'ambiance chaleureuse de l'équipe nationale. C'est dans cette ambiance très chaleureuse même qui règne ici au Luxembourg pour cet Aïd particulier que les joueurs de l'équipe nationale ont passé un Aïd familial. Luxembourg, Ismaël Waqaidia pour Canal Algérie.